peux parler seulement des jeunes, on s'occupe maintenant de vous. Mais vous n'aimez pas fier là. Idriss Diallo n'aime pas le président. Voilà, la fédération n'aime pas le président. La seule chose qu'on te demande, papa Ado, nous on te demande, on se met à genoux. Papa Ado, voilà tes fils sont à genoux. Faut nous donner la tête d'Idriss Diallo. Nous on te donne un quatrième mandat. Le deuxième mandat de la troisième république. Papa Ado, nous on te demande rien. Faut augmenter le courant. Faut augmenter l'eau. Faut augmenter facture de CI, de facture de téléphonie. Nous on s'en fout. Nous on fait une chose, papa Ado. On t'a jamais demandé des choses, papa Ado. Voilà, nous on se met à genoux. Viens. Voilà nous, hein. Voilà nous, papa Ado. Papa Ado, on est à genoux. Papa Ado, on veut la tête d'Idriss Diallo, il nous a trahis. Papa Ado, c'est à cause de Dieu. On veut la tête d'Idriss Diallo. Idriss Diallo nous a trahis. Idriss Diallo nous a trahis. Idriss Diallo nous a trahis. Papa Ado, pitié. Pitié de tes enfants. On pleure. On pleure contre Idriss Diallo. Papa Ado, tes enfants pleurent. Papa Ado. Papa Ado. Papa Ado, Idriss Diallo nous a tués. Papa Ado, on pleure. On pleure, papa, on pleure. Tu as donné beaucoup de milliards. Ils ont mangé l'argent. Papa Ado, on veut Didier Drogba. Oh. Papa Ado, on veut Didier Drogba. C'est un fils de ce pays. Tu l'as toujours utilisé dans les cadres de rencontres internationales pour la Côte d'Ivoire. Les cadres de rencontres. Papa Ado, donne-nous Didier Drogba, on t'en supplie. Papa Ado, on t'en supplie. Papa Ado, on t'en supplie. On t'en supplie. On pleure. Papa Ado, on pleure. Donne-nous Drogba à la tête de la fédération. On te donne le quatrième mandat. C'est le truc qu'on fait à toi, papa Ado. Quand nous disons Drogba, papa Ado, nous on te donne. On te donne la fédération. On te donne le quatrième mandat. C'est tout ce que le peuple demande. Il n'y a qu'à voir un mécontent d'influenceurs qui a venu dire c'est pas la faute de la fédération. Hé! Hey, respectez-nous, hein. C'est la fédération qui choisit le sélectionneur. C'est le sélectionneur qui recrute les footballeurs. Si les footballeurs sont divisés, c'est de la faute de celui qui les a recrutés. Et celui qui les a recrutés, il a aussi un recruteur. Et le recruteur n'a pas de recruteur. Donc c'est sa tête que nous on veut. C'est tout ce que nous on demande. Au stade où on est arrivé là, il n'y a pas midi 14. Il n'y a pas débat, il n'y a pas d'indemand. Parce que d'indemand n'a pas l'oc. Voilà. La tête de celui qu'on veut, c'est Idriss Diallo, on veut Didier Drogba, Daï Soko, l'enfant béni de Dieu, celui que la reine d'Angleterre connaît. Quand on dit Côte d'Ivoire, elle ne connaît pas. Elle dit, ah, Drogba country. On dit, yes. Imaginez Drogba à la tête de la fédération, my God. Cristiano Ronaldo viendra assister match ici. Lionel Messi va venir en Côte d'Ivoire. On a voulu croire que des inconnus et des incompétents pouvaient nous amener quelque part. Moi, je m'en fous, hein. Je suis arrivé à un niveau de ma vie, je m'en fous. J'ai mon âme, j'ai mes affaires. Tous mes enfants sont dans les universités en France. Ils n'ont pas bénéficié de, comment on appelle ça, prise en charge de l'État. Allez demander dans les fiches de l'État, là, est-ce que prise en charge à Makoso, son nom est là-bas. J'ai jamais demandé même une prise en charge de l'État. Voilà. L'État m'a jamais remis de voiture depuis que moi je suis dans ce pays-là. Parce qu'il y a vu des filles circuler, il paraît qu'on nous a remis voiture, 10 millions, 15 millions, pays-y. Si quelqu'un a encaissé, moi, je n'ai pas reçu quoi que ce soit. Il faut bien demander. Voilà, celui qui n'est pas content, maintenant, tu m'appelles, tu vérifies. Moi, je n'ai pas reçu voiture de l'État de Côte d'Ivoire. Mais trois Range Rover, là, c'est mon âme, il est pour payer. La dernière Range Rover, c'est une Camerounaise qui a payé ça pour m'offrir. Donc, il ne faut pas que quelqu'un, après, va venir s'asseoir devant nous, Makoso, tu as émergé ici, ici, tu as reçu 10 millions de voitures. Oh, je n'ai jamais reçu quoi que ce soit. En bon entendu, il faut que les choses soient claires. Moi, j'ai un niveau où je n'ai pas d'amis. Voilà, je refuse aussi qu'on s'en marmaille l'État en mon nom. Je n'ai pas d'amis, je n'ai personne. Là où je suis assis ici, là, ça fait 15, ça fait 12 ans. On demande audience au président de la République. Les pasteurs veulent organiser une assemblée extraordinaire au palais de congrès de l'Hôtel Ivoire pour honorer le président jusqu'au dit. Personne ne nous a répondu. On a ça dans notre cœur, on est assis. On a ça dans notre cœur, on est assis. Je suis la porte de l'église évangélique. C'est moi qui ai lancé l'identification des pasteurs. C'est moi qui ai la base de données des pasteurs, des présidents de fédération. Donc, soyons respectueux. Soyons sensibles et soyons intelligents. Donc, ceux qui sont en train de manigancer, Makoso, il faut que... Hé, hey, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Élection présidentielle, là, c'est l'année prochaine. On aura besoin du plus grand guerrier des réseaux sociaux. Le tueur de Chris Yapi. Celui qui peut mobiliser plus de 10 000 pasteurs. C'est moi. Donc, celui qui se met sur mon chemin...
en toi et moi, là, le président va choisir un qui peut amener beaucoup d'électeurs. Makoso peut chemiser tout esprit de la jeunesse de Côte d'Ivoire pour le vieux père d'Otia. Le langage qu'il faut, vous, là, vous êtes des vieux motifs, vous n'avez plus rien. Le peuple ne se reconnaît pas en vous. La seule chose qu'on sait faire, c'est les patous avec les petites filles de 16 ans, 17 ans. Bande de sorciers que vous êtes. Bande de sauvages que vous êtes. Je ne parle pas de quelqu'un, mais je parle de tous les maudits qui sont des travailleurs dans l'homme contre Camille Makoso.